Salut les petits potes! Bon, j'espère que votre dimanche se passe bien. Ce début de dimanche, hein, parce que c'est le matin. Moi, au niveau de l'atelier, la semaine dernière, on avait vu la pause du vilebrequin, avec tous les contrôles de jeu. Maintenant, je vais pouvoir le retourner. Il va falloir poser les chemises, changer les pistons. À savoir qu'il y a une petite particularité sur les pistons de 205 GTI. Comme tu peux le voir, tu vois, c'est libre. Le piston, il est libre. Mais tu n'as pas de clips. Pourquoi? Parce que c'est l'axe qui est serti en force dans la bielle. L'axe est fixe, mais le piston est libre. Et là, on va voir comment on change les pistons. Bon, tu vois, j'en ai déjà démonté un. Pour voir un petit peu comment ça se passait, si ça se passait bien. Bon, c'est comme d'hab. Donc, on retire l'axe de piston à froid. Par contre, on le remet à chaud. Je vais te montrer comment moi je procède, parce que j'ai pas le matos qu'il faut, mais j'arrive quand même à me débrouiller. Donc déjà, on retire les axes. Bon, soit tu récupères les pistons et tu fais gaffe, tu le cales bien. Moi, c'est pas mon cas, je m'en fiche un petit peu. Donc je le cale et puis je presse directement là. Oui, j'ai connu une copine qui faisait ce bruit-là. Voilà. Hop là! Alors tu vois, le piston il a une petite goutte ici là, on appelle ça la goutte d'eau. C'est un repère que tu peux te faire. Moi je vais faire un petit coup de pointeau, tu vois, je l'avais fait ici déjà, je sais pas si tu vois. Comme ça je sais que la goutte d'eau est en face de mon repère et que c'est aussi côté distribution pour remettre l'ensemble dans le bon sens. Parce que tu peux très bien mettre le piston comme ça. Et là, du coup, tu vas avoir un piston qui va être à l'envers. Donc, tu fais ton petit repère au pointeau. Regarde, rien de compliqué. Je te le fais en live. Voilà. Tu vois? Là, t'es bon. On se fait un petit nettoyage des bielles. Tu vois, une microfibre, un peu d'essence. C'est pas quelque chose qui est super sale, hein. C'est vraiment histoire de remonter un truc carré. Les bielles sont nettoyées, là je suis en train de sortir les pistons. Alors il y a toujours la question qu'on peut se poser, hein. Ça peut arriver. C'est, tu vois, t'as la chemise qui est là, le piston qui est dedans. Tu sais pas, ça se trouve le piston... Il est appareillé à la chemise. Il peut y avoir plusieurs petites cotes de réparation, on va dire. Donc, dans le doute, ce que je fais, c'est que je numérote le piston par rapport à la chemise. Là, par exemple, là, je vais faire 3. Et le piston, 3. Tu vois, j'ai déjà préparé les autres. Et je remets la chemise dedans. Alors, personnellement, je pense pas que ça soit appareillé comme ça. Mais je préfère avoir le doute... Et le faire pour rien. Bon, bah tout ça, j'en ai plus besoin. Ça va finir à la poubelle. Ou si vous les voulez, vous me dites, et puis je vous fais l'épisode prochain un petit concours. Marquera le piston, et puis on verra. Vous me dites déjà juste dans cette vidéo-là si vous voulez, si ça vous intéresse. Sinon, c'est ferraille. Donc là, on va passer à la phase assemblage. Je vais te montrer ma technique. C'est une technique personnelle. Parce que faut chauffer, tu peux chauffer avec un chalumeau ou dans l'huile bouillante. Moi, j'ai pas envie de faire tout ça. Je vais le faire d'une autre façon, je te montre. Voilà, il te faut de l'Eco Plus RS, une petite plaque électrique, un petit réchaud. L'avantage de ce truc-là, c'est que ça vaut rien. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de flamme. Je trouve que pour un atelier, tu vois, c'est un peu mieux. Tu poses tes pieds de bielle sur la surface qui chauffe, mais bien droit, hein. Faut vraiment que ça porte bien, sinon ça va mettre 8 ans à chauffer. Hop, tu les poses comme ça, tu fais ton petit calage. Normalement la chaleur va s'arrêter à peu près là, tu pourras les prendre à la main. Et comment savoir si c'est chaud? Donc, tu peux prendre un thermomètre laser pour voir. Il faut à peu près 200-250 degrés. La méthode visuelle, je prends un petit bout d'étain. Tout simplement, hop, a été collé. Tac, et je le pose là.
Tu vois, quand c'est chaud, bah, l'étain il va fondre. Ça sera prêt à table, prêt à être consommé. À table! Puisque les bielles vont être chaudes. Je vais pouvoir enquiller les axes. Mais pour que ça soit encore plus facile, j'ai mis les axes au congèle. Le dites pas, madame. Je crois que c'est chaud. Les autres sont en train de suivre, mais celle-ci, là, les deux premières, c'est bon. Tac. On est bien. On envoie la sauce. Voilà. Tac. 3, 2, 1. Go. Voilà. Franchement, c'est pas méga super simple. T'as même pas de clips. Limite, quand t'as le coup, bah, c'est plus rapide qu'avec les clips. Donc les pistons, c'est bon. Là, nickel. Et tu vois, c'est l'axe qui coulisse dans les pistons. Donc faut absolument te faire un outil pour vraiment se centrer, tu vois. Là, il est à fleur. Si je le retourne et que je le lève, il est à fleur aussi. Donc là, il est bien centré. Tu te fais l'outil. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais faire bah, la pose des chemises qui entraînera le jeu à la coupe, qui entraînera le plastigouge des bielles. Bon, voilà, j'ai fini de nettoyer. Donc j'ai fait ça avec du petit scotch brite 3M. Juste voilà, et franchement il n'y avait rien d'alarmant. C'est juste vraiment propifier la surface. De toute façon c'est chanfreiné, c'est un joint torique. Donc même j'ai envie de te dire, s'il y a des petites aspérités dans l'aluminium, ça va pas gêner grand-chose. Donc là l'idée, ça va être de poser les chemises sans joint. Pourquoi sans joint? Pour voir au niveau de l'usinage si la chemise est bien usinée et qu'il n'y ait pas de problème sur le bloc. Donc là, tu vois, j'ai mis une chemise. Elle est bien descendue. Je prends ma règle. Tac. Et là, tu vois, le bloc, il a... Pff, je sais même pas si tu vas voir. C'est une GoPro, hein. Le bloc, il a un petit jeu entre la chemise et le bloc et au niveau de la règle. Du coup, il faut mesurer le jeu, comme ça va te donner le dépassement de la chemise. Et tu as une cote à respecter, constructeur. Et si tu es dans la cote, c'est bon. Forcément qu'après, quand tu vas mettre le joint, elle va dépasser. Mais quand tu vas mettre ta culasse et que tu vas serrer, et avec l'épaisseur du joint de culasse, tes jeux seront bons. T'auras pas de fuite. Sans chemise, sans pantalon. Tu peux même faire ça. Voir s'il n'y a pas une chemise qui est plus ou moins haute que l'autre. Tu mesures. Et puis voilà, t'es bon. Alors moi je m'embête pas, hein. J'ai une valeur mini, une valeur maxi constructeur, je prends la mini. Tu vois, faut que ça passe bien. Là t'es bien. Et après, tu vois, je prends la maxi et je recommence. Tu as la maxi. Elle a du mal à passer. Ça passe même pas à des endroits. Donc je suis bon. Sachant qu'après il va y avoir le joint. Parfait. Ils sont là les petits joints. Les petits joints de chemise, tu vois, c'est pas gros, hein. Ils sont là. La petite graisse des 74 épisodes, hein? Elle est toujours là? Elle est là? Magnifique. Et là, comme le joint n'est pas tassé, toi tu peux prendre ton maillet. Voilà, ça dépasse dur. Alors maintenant que ça c'est en place, forcément quand tu vas mettre les pistons avec les segments et que tu vas tourner ton vilebrequin, les chemises vont vouloir remonter avec le piston. Tu les bloques. Et là j'ai pris des grosses rondelles de poulie dumper de Renault 1500 DCI. Et tu vois, je mets une là, comme ça ces deux-là sont bloqués. Et j'en mets une là, comme ça ces deux-là sont bloqués. Puis sont en opposition, c'est joli. Et comme ça ne bougera pas, je pourrai retourner le moteur, ça va pas tomber. J'avais pas de vis plus courte et j'avais pas d'empilage de tube ou de quoi que ce soit. J'ai pris les douilles. C'est les douilles à choc pour démonter les roues. Hop, ça le fait. Et puis c'est joli. C'est tuning! Là, on va attaquer la partie très importante.
le contrôle du jeu à la coupe des segments. Parce que tu pourrais mettre tes segments et jeter ça dans le bloc. Non. Prends le segment. Tu le mets dedans. Sans le casser. Tac. Tu peux même faire ça. Comme ça, tu es sûr qu'il soit bien en place. Et tu contrôles l'ouverture qui est ici. T'as pas de lumière, tu sais que tu vois pas. Ça s'appelle le jeu à la coupe. Et tu regardes si t'es dans les normes ou pas. Si t'es pas dans les normes et que t'es trop serré, tu l'ouvres, tu le prends comme ça, tu le meules un peu et tu recommences. Bon, le segment coupe-feu, c'est bon. Il va être vraiment juste au niveau des valeurs. Ça va être un moteur qui va comprimer, mais qui va être libre dans l'embielage. Donc je pense que celui-là, il va sortir les chevaux qui doit sortir. Donc là, je fais celui de compression. Clac. Je l'appelle comme tu veux, moi je l'appelle comme ça. Hop, ma petite cale. Tu vois, j'ai ma petite cale de 40, elle passe gras. Donc ça, c'est bon. Sachant qu'en plus, donc le segment est neuf, la chemise est neuve. Tout ça, ça va se mettre en place, ça va se roder, donc il va s'ouvrir encore un petit peu. Donc là, vu que celui du coupe-feu, il est un petit peu serré, ça va être parfait. Donc après, forcément, bah, tu montes les segments, j'ai déjà fait cela. Je suis au troisième, tu vois, tu t'embêtes pas. Hein. Hop, tu l'enquilles comme ça. Tac, à la main. On va pas s'embêter avec des pinces. Au final, le jeu à la coupe était parfait, j'ai rien retouché. Donc comme quoi, voilà, c'était juste un petit contrôle, mais il faut quand même le faire. Et là, on est sûr. Du coup, je peux préparer mes petits coussinets. Tout mettre en place. À sec, hein, bien évidemment. Si on n'a pas fait encore le contrôle. On mettra la graisse rouge spécifique au montage. Une fois qu'on aura fini tout ça. Pour l'assemblage final. On va se faire la petite tierce. Tac, tac. C'est bon. Mets de la huile. Là, par contre, je mets de l'huile. Hein. Parce que ça reste dans les gorges des segments. Il n'y a pas de problème. De l'huile là-dedans aussi. De l'huile dans la chemise. Voilà. Voilà. Le petit marteau en bois. Tape bien là. Et on y va. Voilà. Tout seul. Et tu répètes la même chose pour le nombre de cylindres que tu as à refaire. Donc là, je vais répéter 4 fois cette opération-là. Voilà, ça a enquillé. Maintenant, on va se le retourner. Et je vais pouvoir contrôler le jeu au niveau des... là, tu vois, là, les chemises vont pas tomber. À la limite, les pistons, mais bon. Avec la force des segments, ils peuvent pas glisser. Hop là, on met la petite goupille. Et là, je vais pouvoir contrôler mes petits coussinets. Comme pour le vilebrequin, on va poser le petit fil. Voilà, ne jamais, jamais... Qu'est-ce que c'est beau ça! Bon bah rien qu'à l'œil tu sais qu'il est bon. Lui, pareil. 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 Bon. Peut-être lequel? Ouais, non, ça se trouve un entre deux. Bon, on est clairement magnifiquement bien. Franchement, c'est top, t'as son moteur, tu fais tous tes contrôles quand même. En espérant ne rien avoir à retoucher, mais ça peut arriver. Et puis bah au final, t'as rien à retoucher. Avec des pièces de qualité, tu vois, hop. Ouais, vive les mariés! Pip, 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 pip.
On est champions, on est tous ensemble, c'est le grand jour. Voilà, je vais pouvoir lui en mettre. Là, je me refais mon petit serrage au couple, mais tout seul. Et voilà. L'équipage mobile du bas moteur est terminé. Après, tu regardes qu'il soit bien libre. Ça doit être libre, hein. Il n'y a pas de compression. Que ta bielle soit libre, tu vois, tu entends le petit clic-clic. Ça, faut l'entendre. Puis voilà, quoi. Là, on est bien, là. Aïe, ça pique. Ouais, je suis chaud, là. Je vais essayer de remonter un petit peu. Je vais mettre le joint-pied avec le petit carter palier, là. Tac. Et puis, éventuellement, remettre le carter d'huile. Doit refermer, hein. Ça sera fait, au moins. Il sera étanche à la poussière. Plutôt que de mettre des chiffons. J'ai préparé mes petites vis toutes neuves. J'ai mis, tu vois, les petits centreurs tout neufs. J'ai mis le joint tout neuf. Et je vais mettre le palier tout neuf. Je pense que ça va faire chouette, hein, avec toute cette visserie neuve. Les rondelles neuves. Enfin, excuse-moi, neuf. Est-ce que tu as vu ce que j'avais oublié? Est-ce que tu l'as vu? Je redémonte. Ça va, je m'en suis rendu compte maintenant. Mais est-ce que tu l'as vu? Comment t'entraînes la pompe à huile? Il est où le pignon d'entraînement? Hein? Bon voilà, là c'est monté correctement, tu vois. Il y a le pignon, il y a la chaîne. Là on peut avancer. Donc je vais mettre la pompe à huile neuve. Neuf, excuse-moi, neuf. Alors petite précision. Je te montre parce que je viens de m'en rendre compte. C'est pas le même déport. Là, la poulie touche, mais pas la pompe. Là, la pompe touche, mais pas la poulie. Donc, pour le montage de la nouvelle pompe à huile, tu n'as pas besoin de cette pièce-là. Tu la montes directement sur le bloc. Hop. Et la tension de la chaîne est pas mal. La pompe à huile est posée. Tu vois comment ça fonctionne. Tu as un pignon sur le vilebrequin. Quand le vilebrequin tourne, il te fait tourner la pompe à huile. Qui après, hop, à pompe, va dans le filtre. Et ça repart dans le milieu. Et ça va dans le circuit de graissage. Et ça graisse tout le monde. Est-ce que c'est le bon joint? Ça va pas comme ça. Ça va pas comme ça. On va limiter un petit peu les risques de fuite. Je mets de la pâte là. Hop. Allez, c'est parti. À jamais, petit embielage, j'espère. J'espère plus jamais te revoir. Donc j'ai mis mon petit carter, j'ai serré toutes mes vis. J'ai fait mes petits repères de peinture pour dire que c'est serré, comme ça j'y reviens plus. Même le petit bouchon d'huile. J'ai mis le filtre à huile, j'ai mis le bouchon pour le circuit de graissage. J'ai mis pareil tous mes petits repères, j'ai mis la pompe à eau avec deux vis parce que je sais qu'au niveau du carter distribution il y a des vis qui prennent en sandwich. Donc comme je sais pas c'est lesquelles, j'ai fait ça et on verra au moment venu. Donc là je vais pouvoir le retourner. J'ai fini toute cette partie là. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. Il est quand même pas trop mal ce moteur. Avec les beaux petits pistons neufs. 1, 2, 3, 4. En plus, c'est dans l'ordre, j'ai même pas fait gaffe. Voilà. Là, va falloir que je trouve cette pipe d'eau, là. Je sais pas si vous savez. Je sais pas si vous savez où je peux trouver ça. Ou si quelqu'un a ça. La pipe en alu, qui vient là. Tu vois. C'est la mienne, je l'ai sablée, et elle est bouffée. Il y a un trou. Si vous avez ça qui traîne dans votre garage en alu, je suis preneur. Vous me contactez par mail, il n'y a pas de souci. C'est quand même mignon, hein. Ça fait plaisir de le voir refermé.
Donc j'ai encore 2-3 petites bricoles à poser dessus. Et puis bah après, je vais pouvoir attaquer la culasse. Remettre les soupapes, enfin tout la rhabiller. Il faut que je commande les poussoirs, j'avais oublié, tiens. Alors les petits potes, voilà. Cette petite partie de mécanique s'est bien passée. On a un beau petit moteur. Ça fait plaisir, ça motive, tu vois. Et bah tiens, ouais, vous me dites si vous voulez les pistons. Vous me le dites en commentaire, comme ça l'épisode d'après, je ferai le petit concours au hasard, comme je fais d'habitude. Puis je vous enverrai ça, ça fait un petit souvenir. Je sais pas ce que vous allez en faire. Ils sont bons, hein, remarque, hein. Tu peux même les remettre dans ta voiture, mais bon. Il y a juste un qui est cassé, que j'ai cassé au démontage. Là, j'y suis allé comme un cochon, je l'ai pressé. Je vais presser sa gueule. Bon, les petits potes, moi je vous dis à dimanche prochain. Et puis sur ce, bonne semaine. Allez, au revoir!